Et salut à tous, c'est Nexca, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de Calo. Donc Calo c'est un move to earn, donc vous allez pouvoir gagner de la crypto en bougeant, en faisant votre jogging, en courant, etc. C'est un concept très intéressant. C'est pas la première vidéo que je vous fais euh, pour ceux qui me suivent euh, sur la chaîne, donc on a déjà parlé d'autres Move to Earn et je pense que parler de Calo aujourd'hui peut être très intéressant au niveau du timing, tout simplement parce que le plus gros concurrent euh, bah, de, de Calo qui est Steppen est en grande difficulté actuellement, donc il, a, il rencontre des problèmes, il est en train presque de cracher, on va dire, euh, ce n'est plus aussi rentable qu'avant, donc tout simplement il y a eu peut-être des problèmes de gestion euh, qui ont été faites dans, dans le jeu et aussi euh, il y a beaucoup, beaucoup de NFT qui ont été créés ce qui peut faire que la valeur diminue au fur et à mesure Aujourd'hui, c'est très intéressant peut-être de se positionner sur Calo. Donc on, le but de cette vidéo, c'est qu'on regarde ensemble un petit peu les différences et puis si oui ou non, on pourrait se lancer dans Calo au niveau de la rentabilité aussi, est-ce que ça vaut la peine Voilà, on va faire le point, on va faire un petit peu une petite étude du projet, je vais vous montrer aussi l'application, comment ça fonctionne, etc. mais vous allez voir que c'est très semblable à Steppen pour ceux qui connaissent déjà et pour les autres, eh ben, peut-être qu'il y a une opportunité aujourd'hui de rentrer sur ce move to earn là. Maintenant, abonne-toi bien à ma chaîne YouTube pour recevoir toutes les prochaines vidéos et puis je te dis à tout de suite derrière la petite intro. Voilà les amis, on se retrouve directement sur le site officiel de Calo. Donc comme d'habitude, dans la description, dans les descriptifs de la vidéo, il y aura tous les liens qu'on va voir ensemble. Je vous mets vraiment tout comme ça vous pouvez rechercher aussi de votre côté. Encore une fois, ceci n'est pas un conseil en investissement. Faites vos propres recherches après avoir regardé ma vidéo euh, et faites votre propre avis là-dessus. Et euh, je tiens quand même à vous préciser qu'il y a toujours un risque. Ça peut rester des investissements quand ils qui sont risqués. Euh, N'oubliez pas surtout de aussi, nous rejoindre, donc rejoindre la communauté euh, Discord ou Telegram pour, le, pour la communauté NextCash. Euh, on est déjà bientôt 1000 membres. Et du coup, ça fait plaisir si vous nous rejoignez, si on peut discuter aussi ensemble par la suite et garder le contact. Voilà. Ceci étant dit, euh, nous allons commencer donc un petit peu par regarder. Bon, Calo, je pense que tout le monde connaît le principe maintenant des Move to Earn. Donc, euh, on va un petit peu checker rapidement les points intéressants. Bon, déjà là, actuellement, on est sur le single mode. Donc, pour l'instant, c'est la seule chose qui est disponible. Euh, après, ils prévoient de faire aussi un challenge mode. Donc, ça peut être intéressant. Il va y avoir du semestriel ou bien euh, monthly, donc euh, par mois, il va y avoir des, des petits challenges, des petits events dans l'application. Euh, C'est un plus, ça, il n'y avait pas forcément sur les autres. Ça peut être assez sympa. Et puis sinon, le, le fait de minter les, les chaussures, ça, ça ne change pas. Vous allez voir qu'il y a énormément de ressemblances. On va presque dire que ça pourrait être un copier de, de Steppen pour ceux qui connaissent. Donc euh, il y a la possibilité bon, de customiser les chaussures. Euh, il y aura la location, mais ce n'est pas encore disponible non plus. Le fait de minter les chaussures, ça c'est bon. Euh, les petites pierres qu'on peut ajouter aux chaussures pour augmenter les performances, les attributs. Donc euh, le trading dans l'application directement aussi. Et puis des médailles, etc. pour euh, des achèvements. Donc voilà, ça, ça, ça reste du standard. Euh, maintenant, on va parler un petit peu directement de la team. Donc ici, vous pouvez voir la team qui est au complète avec les advisors. Je tiens à vous préciser que j'ai fait quelques recherches, bon je ne suis pas allé dans, dans le fin fond de, de la chose, mais je n'ai pas réussi à trouver par exemple rien que le CEO, donc le CIO, si par exemple je prends sur LinkedIn, donc il s'appelle Tuan Fan. Euh, donc si je mets ici Tuan Fan, vous voyez que je n'ai pas trouvé euh, vraiment qui c'est, euh, pour avoir fait quelques recherches, j'en ai cherché un ou deux autres de la team, je n'ai pas trouvé, donc ils ne sont pas connus sur LinkedIn. Euh, bon, c'est pas forcément un point dangereux, mais voilà. Quand même, je préfère vous, vous informer de ça. Si on met calo » ou calo Run euh, sur LinkedIn, bah, je trouve rien. Il n'y a pas de page ou etc. Il euh, y a juste ici un poste en, en asiatique, mais euh, voilà. J'ai pas trouvé vraiment sur LinkedIn. Souvent, je fais une recherche quand même sur LinkedIn pour la team, etc. Et j'ai rien trouvé là-dessus. Je préfère quand même euh, vous informer de ça. Et puis. Euh, après, aussi, je n'ai pas contrôlé tous les partenaires. Ils ont beaucoup de partenaires, euh, des fonds Venture, etc., qui sont rentrés dessus. Euh, je n'ai pas été après contrôlé, mais il y a quand même des, des, des pointures qui sont assez connues. Donc, je pense que voilà, je fais confiance au projet, etc. Mais, euh, mais voilà, ils ont quand même beaucoup, beaucoup de partenaires. Ça, c'est quand même un, un gros point. Euh, niveau documentation, il y a tout ce qu'il faut. On va regarder un petit peu ensemble. Les réseaux sociaux aussi sont bien complets. Et puis on peut voir ici en bas du site qu'il y a une adresse. Alors je me suis amusé euh, à taper cette adresse en fait sur euh, bah, Google Maps tout simplement pour voir un petit peu. Et euh, donc on tombe sur quelque chose qui se trouve à Singapour. Alors quand on regarde un petit peu d'ici, ça a l'air d'être dans un quartier, euh, un petit peu un quartier populaire. Et puis si on va vraiment s'amuser à regarder ici en détail, bon bah là je vois une boutique de souvenirs, un restaurant, un bar. Euh, voilà, ça ne veut rien dire. Vous avez... enfin, voilà, Il y a des bureaux ici qui sont dessus euh, Peut-être qu'ils ont des bureaux là en haut dans, dans ces bâtiments. Euh, en tout cas, c'est l'adresse qu'ils donnent. Mais bon, a priori, on tombe quand même sur une ruelle un peu touristique, etc. Je ne sais pas. Encore une fois, faites-vous votre propre avis ou vos propres recherches. Moi, en tout cas, c'est ce que je constate à l'heure actuelle. Maintenant, on peut leur laisser le bénéfice du doute. Est-ce qu'ils sont dans des bureaux là en dessus Voilà. Je ne peux pas vous en dire plus. Et, euh, et c'est un point qu'il faut quand même garder en tête. Voilà, La team qui n'est pas forcément trouvable sur LinkedIn, plus l'adresse qui, qui. Voilà. Bon, non, moi vous êtes informé, vous êtes au courant. Je préfère vous, vous parler de ça tout de suite. Après, ça ne change rien sur la qualité du jeu. Ça ne change rien sur la rentabilité actuelle du jeu. Sur le fait qu'il y a un timing aussi, bien sûr. Euh, on l'a vu avec Steppen pour ceux qui connaissent. Le timing, je pense, est quand même important. Et si je vous fais cette vidéo au bon timing, en tout cas de ce côté-là ensuite euh, ici il y a le one page euh, paper comme ils appellent donc euh, bon le principe pour vraiment ceux qui ne connaissent pas et qui regardent cette vidéo vous achetez un nft euh, sur la binance smart chain euh, donc ça fonctionne sur la binance smart chain ce qui est un bon point parce que la blockchain solana par exemple pour euh, pour Stepen, je vais comparer pas mal à stephen mais euh, solana euh, ça faille pas mal quand même il y a de gros, de gros soucis euh, tandis que là, binance smart chain au moins c'est un petit peu plus euh, un peu plus Concret, ça marche un peu mieux. Euh, donc, vous achetez un NFT, euh, une chaussure, ensuite, elle va vous permettre d'aller courir ou marcher tous les jours. Vous allez récolter de la crypto, la crypto du jeu que vous pouvez revendre. Et voilà, vous faites une rentabilité là-dessus. Après, il y a des stratégies aussi, etc. Mais c'est pas vraiment le sujet de cette vidéo. Mais il y a des stratégies pour optimiser ces rendements. Vous pouvez après minter pour gagner des chaussures supplémentaires que vous pouvez garder, soit pour augmenter ce que vous allez gagner, ou sinon pour les revendre aussi, etc. Voilà. Donc euh, ici, il y a, de toute façon il y a les deux tokens donc le token Calo euh, Supply limité donc qui est de gouvernance et puis le token Fit qui est euh, Supply illimité ça ça reste un petit peu aussi du standard on peut regarder vite fait donc ici sur que le coin market cap donc le Calo euh, qui est aujourd'hui à 18 centimes euh, on peut voir qu'il a été lancé euh, déjà c'était en décembre 2021 et puis bon il y a eu la longue période je pense où là il y avait le développement et rien ne se passait et puis dès que l'app est sortie avec la bêta voilà il a commencé à prendre un petit peu plus de valeur il est relativement stable je ne détecte pas forcément un gros faux mot dessus etc ça on en reparle aussi par la suite au niveau du nombre d'utilisateurs maintenant le token intéressant, ça sera le Fit, qui est le token utility du jeu. Donc c'est ce qui va nous permettre de faire beaucoup de choses dans le jeu, vous allez voir. Et puis aussi ben, d'avoir un revenu, de, de gagner de la, de la crypto. C'est cette crypto-là qui va être intéressante. Alors là, par contre, elle est listée depuis début mai. Donc ça fait à peine un mois. Et euh, l'application, elle vient de sortir euh, depuis le 25 mai. Donc ça veut dire, je ne sais pas quand vous regarderez cette vidéo, mais... En tout cas, ça fait très peu de temps que les gens ont commencé vraiment à, à jouer au jeu via l'application. Et on peut voir que là, le, le cours est, est bon, il y a eu ici un petit peu de montée à 6 dollars. Là, il y a eu euh, il est redescendu à 3 dollars. Ici, il y a eu un petit peu de hype avec des, des gens qui sont rentrés. Et puis euh, on a su aussi qu'il y a eu en fait euh, des gens qui ont revendu euh, sèchement du token. Donc ça a fait une grosse pointe comme ça. Il est redescendu assez bas, mais là il remonte gentiment. Donc voilà, il ne faut pas oublier que c'est un token d'utilité. Donc, les gens en achètent parce qu'ils en ont besoin. C'est très important. Donc, il y a une, une demande, il y a une pression acheteuse euh, due à la demande en fait pour ce token. Au niveau du supply aussi, euh, bon, si je pas le supply vraiment. Je ne sais pas si on peut se fier à ça, mais en tout cas, il n'y en aurait que 1 500 000, ce qui est quand même faible. Donc, c'est assez intéressant au niveau du supply pour l'instant. Euh, maintenant, je reviens ici. Donc, au niveau de la tokenomics, euh, bon, ici vous avez le détail si vous voulez regarder un petit peu comment ils ont pris au niveau de, du développement des investisseurs euh, pour la team. Voilà, ça, ça reste assez standard euh, au niveau du token Calo. Au niveau de la demande, donc ici vous montre à quoi servent les tokens. Donc, ça on va on voit après un petit peu ensemble dans l'application, euh, mais c'est surtout le token fit qui va nous intéresser. Et au niveau de la roadmap, euh, bah comme j'ai dit, vous voyez, April... Euh, Jusqu'à mai, ben, c'était un petit peu la, le lancement. Et la bêta qui a commencé en mai. Et là, entre juin et mai, il y aura le, le lancement officiel. Donc, on n'est même pas encore sur le lancement officiel. Et puis, pas mal de choses qui arrivent par la suite. Euh, notamment avec le, le, le mode tournoi, euh, du multi-chain, euh, le, le système de, de, de location des chaussures, etc. Donc, vous allez voir qu'il y a encore pas mal de choses. Et pour moi, c'est encore très early. Le timing est bon. Et puis après les réseaux sociaux, etc., on a déjà vu. Euh, maintenant, ce que je vais vous montrer, euh, pour faire un petit peu des comparaisons euh, dont les... par rapport à ceux qui connaissent déjà, par exemple Steppen, mais si vous ne connaissez pas, bon, il y a des raretés, donc ça c'est un peu du standard, commun, un commun, rare, épique et légendaire. On va voir après dans l'application directement qu'il y a très peu euh, de chaussures uncommon pour l'instant, et des rares, j'en ai pas vu. Donc ça, veut... ça prouve bien qu'il y a encore très peu de... de NFT qui ont été créés, et ça c'est un point important. Euh, et je pense que c'est ce qui fait que Stephen a de la peine aujourd'hui après euh, plusieurs mois, c'est qu'il y a trop de NFT en fait. Il y a trop de NFT donc forcément il y a trop de gens qui en ont minté et ça dilue la valeur au final. Et puis euh, au bout d'un moment, le, le modèle économique du jeu ne peut pas tenir derrière. Donc ça, il faut bien garder à l'esprit tout ça. Mais là actuellement dans ce jeu là, il y a encore très peu de, de NFT minté parce qu'il y a peu de joueurs. Bien que ça, vous vous doutez bien si je vous fais la vidéo, c'est que ça prend de l'ampleur. Au niveau de la, de la timeline, pardon, pour les events, donc euh, on peut voir que ici justement il y avait du stacking pour gagner des, des NFT, donc euh, ça c'était encore fin avril, et puis là il y a eu une public sale de, de, de NFT shoebox, donc les, les boîtes en fait que je vous ai montré avant euh, ici, donc ça ils ont pu en, en gagner en, en, en public sale, donc vous voyez que c'était vraiment début mai, et ensuite il y a eu les tokens qui se sont fait lister, et puis là la bêta réellement a été lancée le 24 mai, donc c'est comme ça que je vous dis, ça fait une semaine même pas que les gens sont en train vraiment de jouer pour gagner du token dans le jeu, donc c'est très early. Le système de stamina, donc ce qui va vous permettre en fait tout simplement de, de, de pouvoir aller marcher un certain nombre de temps, donc une, une stamina en fait correspond à 5 minutes de, de marche ou de course, et puis en fonction du nombre de chaussures que vous avez, vous allez gagner plus de stamina. Donc, euh, si vous avez qu'une seule chaussure, vous allez tabler sur 10 minutes par jour, donc pour deux stamina. Ces stamina vont se euh, régénérer toutes les 6 heures 20, à hauteur de 25%. Donc, il vous faudra 24 heures pour récupérer l'entier de vos stamina. Donc, c'est pour ça qu'on peut faire un run par jour. Ou vous pouvez faire deux runs bah, de, de 5 minutes si vous avez 10 minutes total, etc. À vous de savoir ce que vous préférez. Et bien sûr, plus on a de chaussures, plus c'est rentable, parce que plus on a de stamina et plus on peut... Courir ou marcher longtemps. Après, attention, quand même, dans le sens euh, si vous prenez une chaussure. Euh ça je peux vous montrer ici. Donc après les chaussures, elles ont des, euh, des utilités différentes. Donc vous avez des chaussures, si on prend une runner, c'est de 8 à 20 km/h. Donc ça c'est vraiment pour ceux qui courent, qui ont un bon niveau pour faire de la course. Et si vous êtes juste euh, quelqu'un un petit peu pas trop sportif, prenez plutôt une trainer qui vous permet d'aller de 1 à 20 km/h, vous avez de la flexibilité. Ou tout simplement une walker. Donc là c'est pour marcher ou faire une marche un petit peu plus. Ou soit avec une jogger, vous pouvez marcher un peu plus vite, faire une, une marche rapide. Mais attention parce qu'il faudra aller tous les jours courir si vous prenez, euh, comme on a dit, euh, si vous avez 9 chaussures, c'est 45 minutes de, de course par jour. Voilà, c'est pas tout le monde qui peut le faire, euh, soyez conscient aussi de ça. Euh, et puis, qu'est-ce que je voulais vous montrer encore ici Ça, on a vu au niveau un petit peu des customisations avant euh, l'application. Ça on va voir après, je vous montre directement dans l'application, je prends mon téléphone et puis je vous montre un petit peu comment ça fonctionne dessus. Et puis ça on avait vu la tokenomics, ça aussi on avait vu. Je vous mettrai les liens pour les documents parce que c'est bien, c'est assez bien fait. Et puis du coup, ceux qui veulent un petit peu regarder plus en profondeur, tout ça on a déjà vu. Donc ça c'est l'histoire ancienne, hop, voilà ça c'était bon. Euh, les stamina, on en a parlé, donc ça, ayez bien conscience que plus vous aurez de chaussures, plus vous pouvez gagner hein, derrière. Et vous allez me dire, ok, mais on, il faudrait qu'on regarde un petit peu bah, combien ça coûte une chaussure, etc. Ça, on va regarder après dans l'application. Euh, c'est un certain budget, euh, mais on va voir tout ça ensemble. Maintenant, ce que je voulais comparer et qui peut être intéressant, c'est en fait le nombre de. D'utilisateurs ou de holder, comme on appelle, donc c'est le nombre de personnes qui ont déjà un wallet avec de la crypto dessus. Ça donne une idée un petit peu de l'ampleur de, de pouvoir jauger par rapport à son concurrent. Donc ce que je me suis amusé à faire, c'est juste regarder déjà le token Kalo, donc on est à 12 800 adresses, bon, voilà, garder ça en tête, et puis surtout le token Fit où on est à 4000 adresses, d'accord Donc ça, c'est les gens, on peut en déduire que c'est les gens qui vraiment jouent au jeu, qui auraient à peu près peut-être 4000 joueurs. C'est pas forcément vrai, mais, euh, mais voilà, c'est pour dire qu'il y a 4000 adresses qui hold du feed token. Okay Maintenant pour, enfin pour comparer, on va prendre bah, le principal concurrent qui est Steppen, parce que je pense que Calo peut vraiment passer au-dessus de Steppen du fait des problèmes qu'on voit aujourd'hui. Donc si je vous montre le token utilitaire du jeu Steppen, qui est le GST, alors là c'est sur la blockchain Solana, bah vous pouvez voir que on est quand même passé d'un token qui était à 7 ou 8 dollars. Qui est à moins de 1$ aujourd'hui. Donc, moi bon, j'appelle ça un crash, hein, tout simplement. Donc, il a perdu euh, quasiment 10 fois sa valeur, si on veut extrapoler. Euh, et ça, c'est un problème du jeu. Donc, ouais. c'est quelque chose qui peut aussi arriver sur Calo, il faut en avoir conscience. Mais vous voyez, Stephen euh, est, est en fonction depuis décembre. Et euh, on peut dire qu'il a tenu trois euh, bons mois. Voilà. Ça peut vous donner un horizon de temps. Euh, c'est clair qu'au bout de trois mois, il faut commencer à sécuriser ses, ses investissements. Hein ou Déjà bien avant, mais voilà. Ici, les gens qui sont rentrés malheureusement tard euh, vont avoir une, longue, une durée très très longue pour rentabiliser leur investissement ou euh, ne jamais le rentabiliser. Hein. Voilà, donc ça c'était pour donner une idée. Donc là, on a le GST sur Solana et ils ont aussi sur BSC, mais ça c'est venu après. Puis vous pouvez voir que, on va dire, il est sorti au moment où le jeu a commencé à cracher. C'était un peu la goutte qui a fait déborder le vase et euh, il est passé de 27 dollars à aujourd'hui 1,70$ voilà ça fait mal ça fait vraiment très mal les gens qui sont rentrés ici euh, ont payé des chaussures très chères ne gagnent aujourd'hui plus beaucoup d'argent dans le jeu donc du coup c'est très compliqué je pense que c'est des gens qui sont en perte et ça va être très compliqué de, de rentabiliser leur investissement donc ayez bien ça en tête je vous, je vous le redis encore une fois mais voilà mais du coup l'idée c'est de comparer un petit peu pour voir à quoi on en est sur calo au niveau de, du nombre d'utilisateurs et euh, si on prend le gst donc sur la blockchain solana on est à 606 000 holders, donc c'est énorme, hein, vous voyez 600 000 holders. Calo, euh, avec le fit on est à 4000. Ça vous laisse un petit peu euh, la marge de progression qui est possible. Et Puis j'ai pris aussi sur le GST, donc sur la blockchain euh, Binance Smart Chain, puis vous voyez qu'on est à 30 000, donc c'est à peu près 10 fois plus. Voilà, pour donner une ordre d'idée, on pourrait en déduire que Calo a encore, euh, encore euh, de la marge, hein, encore de la marge pour, euh, pour progresser avant qu'il y ait trop de soucis. Voilà. Maintenant, on va passer sur la, la partie un petit peu plus, euh, un peu plus technique. Donc, euh, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre directement euh, mon smartphone. Et puis, on va euh, aller sur l'application et regarder un petit peu ensemble. Donc, je vais vous afficher mon application directement à l'écran. Comme ça, on regarde un petit peu euh, comment ça fonctionne. Euh, et puis, un petit peu les prix, parce que c'est important aussi de pouvoir avoir un prix, calculer sa rentabilité. Et puis, je vais vous partager aussi une ou deux autres euh, petites choses que j'ai vues. Notamment un partenariat qui peut être assez intéressant. Je ne sais pas si c'est des rumeurs, mais on va voir tout ça ensemble. Donc là, je vais sur l'application. Donc, déjà, pour vous inscrire, il faudra simplement une adresse email. Vous allez recevoir un code et ensuite vous pouvez vous connecter. Pour ceux qui connaissent, je vais aller ici en haut à gauche dans mon petit profil. Vous voyez, il y a le code d'activation. Et ça, en fait, le code d'activation, ça permettra après, par la suite, de limiter un peu les entrées sur l'application. C'est ce que Stephen avait fait. Vous devez distribuer, en fait, être joueur et utilisateur pour gagner des codes. Et vous les distribuez pour que d'autres joueurs puissent rejoindre l'application. Actuellement, ce n'est pas en fonction. Donc je pense qu'ils n'ont pas encore besoin de mettre cette limitation, mais ça pourrait venir. Après, ici, voilà, vous avez sur l'application euh, la distance parcourue. Donc moi, j'ai un compte vierge là, euh, juste pour vous montrer un petit peu tout ça. Euh, j'ai pas de chaussures euh, actuellement sur le compte. Euh, par contre ce qui est intéressant de voir ce sera la marketplace, etc. Donc là voilà, vous avez euh, ici votre chaussure qui apparaîtra, il y a le système des loot box, donc ça veut dire que vous allez pouvoir gagner des bonus en, en plus de, de vos feats tokens que vous allez gagner pendant, pendant vos courses. Vous pouvez voir ici la barre donc, euh, du nombre de feats par jour que vous pourrez gagner. Et les petits éclairs c'est l'énergie, donc c'est euh, ce, ce que vous aurez en fait qui se ré régénère toutes les 6 heures et qui vous permet d'aller courir au marché. Voilà. C'est vraiment tout simple euh, ici. Ensuite, j'ai l'onglet Bag, donc c'est ici que vous aurez vos sneakers, les stones, bah, c'est les petites pierres qui permettront d'améliorer vos chaussures et les médailles. Voilà. Et puis après, challenge ici, il y aura donc euh, les différents challenges qui seront des événements qu'on pourra participer. Et puis dans Marketplace, maintenant c'est là que c'est un petit peu intéressant. Ici, on a les chaussures, donc là c'est sûr. Euh, si je mets ici, hop lowest price donc par euh, prix le plus bas. Vous pouvez voir que la plus basse est à 218,9 donc à peu près 220 feet. Alors ce qui est intéressant déjà premièrement c'est que le mint ça je vais vous montrer, je pose juste mon téléphone. Je vais vous montrer en fait pour mint donc en fait c'est un petit peu ce qui va définir le prix de le, le prix de base d'une chaussure, le, le prix plancher donc le floor price comme on appelle. C'est un petit peu ce qui va ce qui va pouvoir nous donner ce prix là c'est le, le fait de, de combien on va payer pour mint en fait tout simplement et vous pouvez voir ici que si vous avez une chaussure common alors est ce que ça peut voilà si vous avez une chaussure commune euh, avec zéro mine vous allez pouvoir euh, payer 200 euh, fits 202 fit donc ça en fait tout simplement c'est le prix plancher parce que les gens vont jamais euh, actuellement vendre une chaussure moins chère que 202 feet parce que ça coûte plus cher à Enfin, on ne va pas vendre une, une chaussure 150 feet si ça coûte 200 euh, de, de la créer en fait tout simplement. Donc ça c'est un prix qu'on peut un petit peu se baser et vous remarquerez que c'est justement c'est en fit et pas en BNB ou en Solana ou etc. C'est pas une crypto externe, c'est vraiment une crypto, euh, enfin la crypto du jeu, en fait, tout simplement. Donc ce qui a fait que les gens ont énormément besoin du fit token, parce qu'ils vont devoir acheter du fit pour minter les chaussures, pour améliorer les chaussures. Vraiment, tout ce qui est utilitaire dans le jeu va passer par le fit, mais c'est aussi ce que les gens y gagnent. Donc d'un côté, voilà, il y a cette pression acheteuse qui va être très importante sur le token. Plus il y aura d'utilisateurs, hein, parce que forcément, tout le, tout le monde aura besoin du fit. Actuellement, c'est comme ça, ça peut changer au cours de, des prochains mois. Peut-être que ça changera et puis que ce que je suis en train de vous dire là aura déjà changé, mais vous comprenez le principe. Et du coup, bah voilà, ça, ça coûte pas cher. Après, on voit qu'au bout d'un moment, euh, je pense que quand on arrive à deux mintes et deux mintes par chaussure, donc c'est à dire qu'elles ont chacune minté déjà deux fois, donc créer deux fois une autre paire, mais bah après on passe à 300, ah, c'est moins intéressant. Je pense que les gens vont surtout faire du 0 à 2 mintes par chaussure, sinon après ils vont les vendre. Voilà, et c'est ce qu'on voit un petit peu sur la marketplace, vous pouvez le voir en ce moment. Que justement, euh, elles ont déjà par exemple level 5 et 2 mint. Donc, bien sûr, il faut monter aussi les levels sur vos chaussures pour qu'elles remportent plus. Donc, si par exemple j'en prends une, après on peut voir ici les, les statistiques. Donc la performance qui va en fait augmenter le, les gains en fit, la luck qui permettra d'avoir des, euh, des, des box, des, des coffres quand vous courez. Le speed, eh ben, ça je ne sais pas exactement ce que ça va changer. Euh, Peut-être pour gagner plus tard du token euh, de DAO, c'est possible. Et Puis le recovery euh, qui est le prix de réparation parce qu'une fois que vous allez courir, vous devez réparer la chaussure aussi pour pouvoir continuer à l'utiliser. Donc il y a des petits frais que vous allez payer en réparation. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on s'amuse à aller voir un petit peu euh, au niveau des sneakers par exemple, les uncommon euh, combien il y en a tout simplement. Et puis vous pouvez voir que déjà le prix est à 950 feet, donc c'est quand même assez énorme. Euh, Ouais, c'est quand même assez énorme. Et puis du coup, vous voyez qu'il n'y en a pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Il y en a une vingtaine, tout simplement. Et je sais que sur Stephen, par exemple, il y en avait énormément plus. Donc voilà, il n'y en a pas beaucoup. Euh, c'est intéressant, on voit que le jeu vient de démarrer. Donc ça, c'est un point important. Maintenant, si on prend vraiment le floor price, donc les chaussures les moins chères sont à 218 feet. Euh, on a vu que le fit ici, il est à 4$. dollars Donc voilà. Euh, on fait rapidement le calcul pour être précis. Donc 200, je vais prendre 220 pour arrondir, fois les 4. Voilà, on est à 880 dollars pour une chaussure. Donc voilà, le prix est déjà assez élevé, mais ça nous donnera une rentabilité. Maintenant, ce qui est important, c'est de pouvoir calculer un petit peu sa rentabilité. Et j'ai ici euh, quelqu'un qui a deux énergies, qui a fait 14 minutes de course, et puis qui a gagné 7 feet. Voilà. Donc ça veut dire que si on fait le calcul rapidement, euh, donc, elle vous coûte la chaussure. On a dit 220. Et puis là, en une journée pour son run, on va arrondir à 8 parce que je pense qu'on peut monter à 8 en fonction des chaussures. Bien sûr, ça dépend le level de la chaussure, etc. Parce que plus vous la montez, plus vous gagnez. Mais si on prend un petit peu le départ, voilà, on tombe sur un héroïne sans compter les réparations. On peut compter qu'on a un héroïne de 30 jours. C'est ce qu'avait Stephen au tout début, hein, au final. Et il y a des gens qui ont pu euh, sur les prochains premiers mois vraiment monter très haut et puis bien sûr plus votre chaussure elle, sera haut niveau jusqu'au niveau 30 vous pouvez monter votre chaussure plus elle sera haut en niveau plus vous allez pouvoir gagner de points par jour et puis euh, ça peut monter jusqu'à 30 ou 40 feet par jour je pense après si vous avez des chaussures d'une rareté qui sont plus hautes aussi etc etc vous pouvez aussi euh, en fait utiliser vos, vos tokens pour minter des nouvelles chaussures et les vendre etc il y a plein de choses à faire mais c'est rentable, il faut compter, je pense, grosso modo, une trentaine de jours si le token reste à ce prix-là. Mais encore une fois, on a vu qu'il y a énormément de, de pression acheteuse, donc le, le prix du, du feed peut monter encore. Il a pas mal de, de, de potentiel, je pense. Voilà. Donc là, on a vu un petit peu tout ça sur l'application. Euh, après, on peut s'amuser à regarder le floor price. Euh, par exemple, si je prends. Hop, si on prend, par exemple, avec. 2 mint, ah non, on va prendre avec 0 mint. Voilà, donc 0 mint, ce serait intéressant de choper des chaussures qui ont 0 mint. Donc si on prend, on est à 220, voilà, c'est ce que je vous avais dit comme calcul. Donc ça, c'est l'investissement qu'il faudrait compter pour avoir une 0 mint. Euh, c'est pas mal, le prix est pas mal, je pense que voilà. Donc on, vous faites une idée un petit peu, et puis après, à vous de voir si oui ou non, ça vous intéresse de, de rentrer dans ce jeu-là. Euh, en sachant ça mais encore une fois je pense qu'il ne peut pas prendre le dessus sur son concurrent du fait que l'application est super utile qu'elle fonctionne bien et puis que surtout il y a très peu de joueurs encore dessus donc le potentiel est de, de le potentiel futur est, est élevé en fait actuellement voilà pour les gens qui ne savent pas donc là on n'a pas vu encore la dernière partie c'est le wallet donc ici en haut à droite vous cliquez ici et puis vous voyez qu'il y a les calots et les fits et puis si je vais sur Wallet, ici vous, il vous faut créer un nouveau Wallet. Donc vous allez avoir une série de, de 12 ou 24 mots en anglais vous, qui est votre site phrase que vous devrez vraiment garder précieusement, qui vous permettra de vous connecter Wallet ou de récupérer là comme là on a un port Wallet. Et euh, ensuite vous aurez un Wallet sur la BSC. Donc comment il faudra faire ensuite c'est assez simple. Il vous faudra acheter du BNB. Donc par exemple sur une plateforme comme Binance, vous achetez du BNB. Ensuite, euh, vous allez retirer ce BNB donc faire un retrait et puis vous allez l'envoyer sur un wallet euh, externe comme MetaMask. Donc si vraiment vous ne connaissez pas toutes ces étapes, j'ai vraiment d'autres vidéos, j'ai une vidéo sur MetaMask, j'ai une vidéo sur PancakeSwap euh, qu'on va voir par la suite en fait, c'est ce qui va vous permettre d'acheter le token FIT parce que vous pouvez l'acheter seulement sur une plateforme décentralisée. Et puis du coup, donc vous envoyez ici donc là ça c'est votre adresse de réception sur votre MetaMask. Donc ça c'est un portefeuille euh, externe, comme vous allez avoir un portefeuille dans l'application euh, directement. Hein. Donc vous aurez un autre portefeuille ici qui est sur l'extension Google Chrome. Ensuite, ici, vous copiez votre adresse. Tac. Vous faites un envoi du nombre de BNB que vous voulez. Et ensuite, vous les recevez directement ici sur vos toilettes. Une fois que vous les avez ici sur vos toilettes, il vous faut aller sur une plateforme décentralisée. Donc tout simplement, en fait, pourquoi on vient sur PancakeSwap Parce que si je viens ici sur le feed token sur market et eh ben il est que sur pancake swap ou dodo mais dodo on va pas utiliser euh, donc il est uniquement sur pancake swap hop ça je vais couper hop. donc euh, on va aller sur pancake swap et puis ici vous devez connecter vos toilettes metamask c'est là dessus en fait qu'on va qu va changer nos BNB donc je vais sur swap ici trade swap donc je veux swapper du BNB contre ici, et ben il faut rentrer. Donc si je mets fit, euh, bah vous voyez il apparaît déjà ici. Euh, après si on veut vraiment faire juste pour ne pas se tromper, je vous montre une petite astuce. Euh, quand vous êtes ici, vous avez ici le token, donc l'adresse, le smart contract du token, vous faites un copier. Et puis euh, déjà de 1, il faudra l'ajouter sur votre Metamask. Donc quand vous venez ici importer des jetons, enfin pour ça, vous avez même meilleur temps directement de cliquer sur le bouton ici. On va le faire une fois, hop. Une fois, pas deux fois. Hop. Voilà, je mets ajouter jeton. Puis après, simplement, vous voyez, il sera dans ma liste de jetons tout en bas. Voilà, et Ici, je l'ai rajouté comme ça. Donc ça, c'est vraiment le plus simple par le site coin MarketCap. Puis après, vous copiez ici l'adresse. Et quand vous êtes sur le pancake swap, simplement ici, vous collez l'adresse. Et puis là, vous faites import. Et puis comme ça, vous êtes sûr d'avoir vraiment le bon, euh, le bon token fit. Voilà, et puis on peut voir euh, que si maintenant je veux changer ici hop, mes BNB compte du fit, et ben tout simplement j'ai juste à faire un swap, et puis ça va me swapper. Donc après j'aurai euh, donc les tokens qui seront directement ici, les fit tokens. Voilà. Maintenant, après bien sûr, vous allez devoir les envoyer dans votre application. Donc vous allez prendre ici euh, fit, vous allez faire envoyer. Et puis ici, vous devez rentrer une adresse, et ça, ça sera l'adresse en fait de réception. De votre toilette que vous allez avoir dans l'application euh, euh, de Calo, Voilà. Et puis ensuite, vous envoyez vos tokens. Et puis après, vous pourrez donc les échanger euh, directement dans votre application pour acheter une chaussure, un NFT. Voilà. Donc... Ah oui, encore une chose vraiment que, qui était importante que je voulais vous montrer. Il euh, y a des rumeurs assez intéressantes, en tout cas sur Kalo. Euh, alors, déjà, c'est euh, tout simplement que ici, hop, donc il y aurait dans le bureau ici euh, de travail de Calo, il y aurait. Euh, alors je ne suis pas un spécialiste, mais apparemment ça ressemblerait à des sneakers, euh, donc des chaussures Kappa. Donc il y a des rumeurs de partenariat avec Kappa, qui est une, une grosse marque quand même. Et puis aussi ici, on voit le, le t-shirt de l'employé euh, qui travaille pour Calo avec ici euh, une petite bande Kappa. Euh, voilà. Donc c'est intéressant. Euh, on peut aussi voir que c'est très actif sur leur euh, Telegram. Donc ça, je vais juste vous montrer je vais prendre ici le telegram donc il y a un channel channel telegram donc ici j'avais un event en fait qui est l'event le, euh, tout simplement du ils vont faire une, une levée de fonds pour, pour les nft sur une plateforme donc euh, voilà ils participent aussi euh, sur le Binance Summit au Vietnam donc un événement euh, organisé par Binance donc, ça c'est intéressant et puis là justement sur Engine Starter qui est quand même assez connu il y a une, une INO, donc une initiale NFT offering où les gens vont pouvoir euh, gagner en fait des, des shoebox. Donc euh, niveau marketing ça avance bien, ils sont très communicatifs, il y a beaucoup de choses qui sortent. Euh, voilà ça c'est un point positif que je voulais euh, tout simplement vous exposer. Euh, à ce moment-là, c'est intéressant d'avoir ces infos. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu, que ça vous aura aidé. Encore une fois, mettez-moi un petit pouce bleu, un petit commentaire. J'aime beaucoup lire vos commentaires, donc dites-moi ce que vous pensez, si ça vous intéresse ou pas de rentrer sur ce jeu ou pas. Rejoignez-nous aussi sur la communauté Nextcash donc Discord ou Telegram pour venir un petit peu échanger avec nous, et puis euh, un petit pouce bleu sur la vidéo, ça fait toujours du bien pour récompenser mon travail. Il y aura encore une fois tous les liens qui sont descriptifs de la vidéo, si tu n'as pas de compte Binance ou pas de compte, euh, par exemple, euh, voilà, de diverses comptes, n'hésite pas à prendre mes liens pour me récompenser pour euh, les petits liens d'affiliation. Et puis moi je te dis à bientôt, en tout cas un grand plaisir d'avoir fait cette vidéo pour toi, et puis on se revoit dans une prochaine vidéo, ciao ciao